Bonsoir à toutes et à tous, c'est Next. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de 12 boosters X et Y, Impact des Destins. J'ai grave hâte de les ouvrir en fait. C'est des boosters qui sont super beaux, l'édition est très classe elle aussi. C'est une série qui est sortie en 2016, donc c'est la dixième du bloc X et Y. Il y a une secrète à l'intérieur. C'est le Alakazam que vous voyez là. Donc, je rêve, j'ai le droit de rêver, mais voilà. Si on pouvait la choper, ça serait mais incroyable. Parce que j'ai pas vraiment beaucoup de secrets de X et Y. J'en ai une ou deux, mais c'est des objets. J'aimerais bien en avoir une bien stylée, tu vois. Et le Alakazam, il est bien stylé. Donc, on a 12 boosters. Voilà. J'ai pas tellement l'habitude de tout montrer le devant, là, enfin l'arrière surtout. Mais on peut voir voilà, que c'est sorti en 2016. Et patati patata quoi. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir 12 boosters. Et j'en ai encore 4 qui serviront pour l'exploration temporelle. On va se les ouvrir eh ben, dans l'autre sens. Ceux que j'ai le moins envie d'ouvrir jusqu'à ceux que j'ai le plus envie d'ouvrir. Hop. Et puis j'espère qu'une chose, c'est qu'on va avoir des choses lourdes. Donc cette édition, j'en ai quelques cartes. J'en ai quelques cartes, une trentaine à peu près. C'est pour ça que je voulais en ouvrir, comme ça au moins. Eh ben, je la compléterai et c'est la seule, ouais, c'est la seule édition qui fait partie un petit peu des éditions turbo, tout ça, que j'ai pas du tout. Enfin, pas du tout. Très peu. Toutes les autres, rupture turbo, tout ça, même offensive vapeur, j'en ai vraiment pas mal. Alors que impact des destins, pas tellement. Donc là, vu qu'on est repassé sur le bloc X et Y, c'est 1, 2, 3, 1, 2. Donc voilà, un petit 1, 2, 3, 1, 2. Pour mettre la rare et la reverse derrière. Donc on commence avec un joli spoink. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'illustrations que je connais pas. Un Shinshidou. Topiqueur, joli Umbrillex dans sa petite grotte, Strassi, Ammonita, et comme on est repassé aussi sur le bloc X et Y, il n'y a plus l'énergie au milieu du booster, il n'y a pas d'énergie, donc ça fait une carte en moins dans le booster. Voilà. Alors on a Farfadouvé du coup, Meios, alors on est gros qui en a Infect, et derrière ça on a. Ah, elle est super belle. Elle est super belle, mais vous savez quoi? Eh ben, c'est la seule holo que j'ai déjà de l'édition. Ma malchance me poursuit. Non, mais je crois que je l'ai, mais un peu en mauvais état. Ok. Eh ben, superbe tyrannosif. Superbe tyrannosif holographique. La carte est très belle. Mais j'ai toujours trouvé que sur cette carte. Alors, si je mets la pochette à l'envers, ça va pas le faire. J'ai toujours trouvé que sur cette carte, le filtre holographique rendait un peu bizarre. Je n'aurais pas trop expliqué. Hop. Donc, bon, bah, premier booster, c'est déjà sympa. Tiens. On est bien. J'aime bien les illustrations, c'est une super belle série. Tac. Prenez le code. N'hésitez pas à mettre pause. Enfin, quand je dis prenez le code, c'est plutôt Mister Pro prend le code, comme on le sait. Sauf si vous arrivez à le doubler. Mais il est fort. Il est très fort. Alors, on a Umbrillex, mais c'est pas la même illustration que tout à l'heure, je me disais. Topiqueur, Spoink, on les a déjà eu, eux. On a un petit Riolu, très sympa. Nucleos, Pachmia, Kangourex, Meios encore une. Oui, non, je croyais qu'on l'avait re-eu déjà dans ce booster. Meios, Archeomir, ok. Et derrière ça, Strassi, ok. Elle est pas très belle quand même. Je le rappelle du coup pour ceux qui ne le savent pas, vu qu'on est dans une série fin du bloc X et Y, il y a des cartes turbo. Donc oui, c'est des ultras en soi, c'est des cartes ultra rares. Il y a des turbos et il me semble que dans le booster, elles sont placées à la place de la reverse. Voilà, je suis pas sûr à 100%, mais parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de turbo. Mais il me semble bien qu'elles sont à la place de la reverse dans le booster. C'est pour ça que j'ai eu une petite pression quand j'ai ouvert le Archeo. Quand j'ai découvert le Archeomir. Hop.
Bon, du coup, on sort enfin un petit peu du bloc X et Y. Ça doit pas faire de mal, je pense. Hop. Allez, on y va. On a Strassi, du coup. Alors, attendez. Ouais, du coup, c'est ce que je me disais. Donc, Strassi, dans cette édition, elle existe en commune et en rare. Pas de demi-mesure, les mecs. Ils ont pété un câble. Le pire, c'est que la rare a moins de PV que la commune. Ils sont forts. Hein. Ils sont très forts. Vivaldin, Chinchidou, Archéomir, Snubble, Roussil, N. Ok, pas mal de cartes qu'on n'a pas eu pour le moment. Brutalibré, et derrière ça, Vipelière, ok. Et. Oh, il est magnifique. Je connaissais pas cette carte du tout. Lucario en holographique. Il est grave beau. Ah, je suis refait. Super belle carte. Franchement, nickel. Attends, parce que hop, mes pochettes, elles étaient sous les boosters décapités. C'est une super belle carte, franchement. Ah, je vais la montrer de près comme il faut. Ah, avec le Alakazam derrière, je l'avais même pas vu. Super belle carte. Franchement. Bon, bah, pour l'instant, 3 boosters, on est à 2 holos. Sympa, sympa. Ah, lui, celui-ci, je sens un truc. Je le sens bien, ce booster. Je crois qu'il y a un petit Alakazam ex secret à l'intérieur, en fait. Et c'est là qu'on va bien rigoler, s'il y est vraiment. Et s'il y est pas, on va dire, ouais, normal, en fait. C'est logique qu'il y soit pas. Hop, 1, 2, 3, 1, 2. Alors, on a Vostourno, Shuniti, Smogo, encore pas mal de cartes qu'on n'a pas vues. Miaous, Ambrilex, Farfadoué, Le Jardin des Fées, Smogogo, derrière ça, Vipelière, ok, encore un Vipelière Reverse, très bien. Et Ammonistar. Ok. Dans la jungle. Un peu étrange. J'aime bien. Ouais, parce que du coup, ouais, ça m'étonne un petit peu que. Enfin, ça m'étonne un petit peu là, d'avoir encore beaucoup de cartes qu'on a pas vues parce que. En fait, au final. Les séries, ouais, jusqu'à la fin du bloc X et Y, en général, au niveau des communes, on fait très très rapidement le tour. Voilà, vous me direz, j'ai ouvert 4 boosters. Mais on fait très très rapidement le tour parce que c'est des séries plus petites et. Voilà, vous voyez, il y a 124 cartes, quoi. 124 cartes. Ça laisse peut-être 30, voire 35 communes. Donc on en fait très vite le tour. Alors, Oppermine, Snubble, le Riolu. Je crois qu'on l'avait pas eu ce Riolu, c'était un autre. Ou alors peut-être qu'on l'a eu aussi. Vivaldin, Rondoudou avec les petits points qui est Vipelière. Pachmia, l'énergie spéciale, ok, double énergie incolore. Fossile Dôme de Kabuto, derrière ça. Excusez mon téléphone, je sais pas ce qu'il a fait. Du coup, la reverse, Pastiférique, et derrière ça, oh, elle est super belle. Je suis refait. Hyporoi X. En plus, je l'ai vu hier cette carte en vente sur eBay. Je me suis dit, elle est trop trop belle. Ah, je suis content. Là, franchement, je suis grave content. Mais ce qu'il y a de... Alors non, c'est bien et c'est pas bien. En fait, dans le bloc X et Y, je vais vous la ressortir un petit peu, que ce soit les ultras ou pas les ultras, elles ont les bords un petit peu... vous voyez, un petit peu effrités, on va dire, un petit peu abîmés. Comme n'importe quelle autre carte, en fait. Tac. Voilà, comme celle-là, elle apparaît. Donc, dans le bloc X et Y, que ce soit les ultras ou pas les ultras, elles ont ces petits bords abîmés derrière. Et les cartes sont pas très épaisses aussi. Alors que dans le bloc soleil, à partir du bloc soleil et lune, non, surtout dans le bloc soleil et lune, pour épais bouclier, il me semble pas trop. Mais dans le bloc soleil et lune, en fait, les cartes ultra rares, elles ont pas les bords abîmés. Enfin, c'est très très rare. Et la carte, ça se voit, elle est super épaisse. Donc, en fait, quand tu fais ton 1, 2, 3, 4, 1, 2, t'es. Franchement, 90% du temps, t'es spoil. Alors que là, du coup, ce qui est bien, vraiment, c'est que. Tu sais pas si tu vas avoir une ultra ou pas. Après, ce qui est moins bien, en revanche, c'est que la carte est soit un petit peu tonchée. C'est quoi ce délire? Il y a des cheveux sur mes top loaders tout neufs. What the fuck? Ok, on prend du temps pour rien. Bon, de toute façon, la vidéo, elle va faire au moins une petite vingtaine de minutes. C'est cool, c'est pas grave. Les 12 boosters, je me suis dit que j'allais pas faire ça
en 2 épisodes, ça aurait été ridicule. Bon, pour l'instant, une ultra. Je suis très content. Voilà, parce que j'ai acheté ces boosters à l'unité. En gros, c'était un mec qui vendait des lots de 4. Et je lui ai pris tout ce qu'il avait, en fait. Du coup, ça m'a fait 16 boosters. Et je me suis dit, ouais, j'espère que ça va être... Enfin, que les boosters vont être bien. Bon, déjà, ils étaient en super état. Je me suis dit, ouais, j'espère que les boosters vont être bien. J'espère qu'ils sont pas triés. Voilà, voilà, quoi. Un petit peu tout ça. Donc, pour l'instant, tout se passe merveilleusement bien. Alors, on a du coup... Oups. Hop. Si je tape dedans, ça va pas le faire. On a du coup scruté là. Chuchmur, Chinchidou, Vostourno, Ambrilex, Double Énergie Incolore, Roussil, Farfad UV. Par contre, Farfad UV, on fait que le voir, il me semble. Vostourno en Commune Reverse. Et derrière, Stracy, qu'on a déjà eu également. Hop. On attaque. Ou alors c'est. Ouais, non, c'est le premier. Booster Zygarde. Je trouve c'est. En fait. Surtout les Zygarde et le Alakazam, je les trouve très très stylés. Ah, même le Lugia en fait, je vous le remontre. Ils sont super beaux ces boosters, c'est ouf. Ils sont super beaux et bon, il n'y a que le Goupelin que je trouve moyen. Bon. Hop. Il y a des éditions où tous les boosters sont pas beaux alors. Des éditions vieilles comme des éditions récentes en fait. C'est les boosters de. Platine Rivaux émergents, sont pas très beaux, hein. Franchement, très moyen. C'est comme Clash des Rebelles, je les trouve pas beaux. Mais bon. Alors on a Chuchmur, Chinchidou, Vostourno, Ambrilex, Smogo. Ouais, voilà, comme je disais, on commence à en faire le tour quand même maintenant. Alors, Lien Spirituel Akazam, Chenizel, Spray des Éolians, Spoink, en Commune Reverse, et derrière ça. Ah putain, j'ai loupé. Ossature, ok. C'est sympa, jolie illustration. De Shin. C'est Na ou c'est No? J'arrive pas à lire, je suis con. Naigasawa. Voilà. Voilà, voilà. J'ai beaucoup collectionné les cartes depuis. Depuis combien maintenant? Ouais, depuis. Depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 7 ans. Donc. Ouais, depuis à peu près 13 ans. J'ai beaucoup collectionné les cartes depuis à peu près 13 ans. Alors je ne connais aucun illustrateur. Franchement. J'ai jamais essayé de les connaître, de voir. C'est. Je sais pas. Peut-être un jour, hein, mais. C'est pas encore le jour, quoi. Alors, on a Vivaldin, Chinchidou, Arkemir, Snubbull, Shinity, Sana, Lianaja, on n'avait pas eu. Réinitialisation d'énergie. Fennec en Commune Reverse. J'ai beaucoup de Commune Reverse, c'est drôle ça. Et Papillord. Ok. Très bien. Bon, dans les boosters comme ça, je me dis. Le suivant ne pourrait être que meilleur. Enfin bon. Ouais, Papillord, c'était quand même pas ouf. Hein. Voilà. On ouvre propre les boosters, nous. Tac. Tenez le code. On voit des trucs. Faites-vous plaisir. Alors, on va passer vite maintenant. Spunk, Chinchidou, Topicœur, Ambrilex, Stracy, le Kangourex, Meios, Terre Brûlée, Zygarde, un peu comme une Reverse. Ok. Et derrière. Kabutops. Ok, ça c'est une belle carte par contre, j'aime bien. Joli Kabutops. Franchement, un peu épuré, mais j'aime bien. J'aimerais bien qu'on ait une turbo, ça fait très très longtemps que j'ai pas eu de turbo. Putain, oui, c'est... Ce booster, j'ai jamais vu un booster s'ouvrir aussi facilement. Franchement. Hop, tenez. 1, 2, 3, 1, 2... Turbo, ça me ferait plaisir. En plus, je crois que j'en ai peut-être même pas de cette édition. Alors, Chuchmur, Otaria, Doudouvé, Riolu, Vostourno, le lien spirituel à Kazam, Attrape Méga, Gros Doudou, derrière la fameuse Turbo qu'on attendait tous. Pas loin, pas loin. Ok, Lucario en rare reverse. C'est pas le même qu'on a eu tout à l'heure, celui qu'on a eu en,
En holo, c'était un type acier. Ils sont tous les deux très beaux. Et je ne sais pas du tout, du coup, si ce Lucario est holo ou pas. Et derrière, Majaspic. Ok. Il nous reste deux boosters, les copains. Deux boosters. Deux Alakazam. C'est selon l'angle dans lequel on attaque le booster, il souffle très facilement. 1, 2, 3, 1, 2. Clac. Alors, on a Wastournos, Mogo, Chinchidou, Topicker, Riolu, le Jardin des Fées, Smogogo, les méfaits de la Team Rocket, derrière ça, Farfaduvé, ok, et... Non, sérieux ? Tyranocif. Tyranocif holographique. Du coup, je crois qu'en tout, cette carte, je l'ai 4 fois. Je l'avais déjà une fois en holo, une fois en reverse. Ok, bon bah... J'ai une de ces capacités à obtenir des doubles, c'est incroyable. J'ai rarement vu aussi bon que moi. Franchement. Hop. Le dernier code et le dernier booster. 1, 2, 3. 1, 2. Et qu'est-ce qu'on espère ? On espère une ultra. Mais évidemment, il n'y en aura pas. Fennec, Scrutella, Opamine, Miaouss, Lien Spirituel, non mais oui, on l'avait pas eu. Récepteur aléatoire, il me semble pas qu'on l'ait eu non plus. Le Fossil Ammonita, c'est pareil. Derrière. Ok. Très bien, récepteur aléatoire une deuxième fois. Et... Kabutops, ce qu'on a déjà eu. Ma chance me poursuit, hein, dis donc. C'est incroyable. Non, bah en vrai, bah, c'est pas une pioche dégueulasse qu'on a fait là. Parce que du coup, on a obtenu quand même deux fois Tyranocif holographique. Donc ça, on dira merci à mon manque de chance. Hein, on a eu un petit Lucario holographique également, qui est super beau. La carte de l'ouverture, hein, du coup, Hippo Roi X. Et on voit ma gueule en reflet dans le top loader. C'est incroyable. Ouais, non, Hippo Roi X, rien à dire sur cette carte, elle est magnifique. Type dragon en plus. Superbe. Superbe, superbe. On va se mettre les cartes ici. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère du coup que l'ouverture vous a plu. Moi, du coup, c'est pas une pioche dégueu, c'est pas une pioche de ouf non plus, vu que j'ai été quand même un petit peu malchanceux. Mais je suis content. J'avais très envie d'ouvrir ces boosters. Donc, je suis content. Puis, regardez, pour l'exploration temporelle, bon, qui arrivera dans très longtemps pour vous, je suis désolé. Il me reste 4 jolis petits boosters. Je vous les montre là aussi. Waouh! Que je vais m'ouvrir maintenant. Du coup, ça fait que je vais tourner l'exploration temporelle d'Impact des Destins. Peut-être 3 mois avant qu'elle sorte vraiment. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Hein. J'espère que j'aurai un petit truc quand même là-dedans. Écoutez, du coup. J'espère que cette petite ouverture d'une vingtaine de minutes vous aura plu. On sort un petit peu de la zone de confort, du bloc Soleil et Lune. En fait, j'adore le bloc X et Y. C'est con que je collectionnais pas trop à l'époque, mais voilà, je me serais fait tellement plaisir. Les séries sont incroyables dans ce bloc, je trouve. Les cartes sont super belles. Il y a quelque chose, tu vois. Et regardez ce que j'ai sous la main aussi. Ça, par contre, je vais l'ouvrir et ça sortira dès lundi. Si vous regardez la vidéo à sa sortie, là, normalement, ça sera un vendredi. Ça, enfin la moitié du moins, ça sortira lundi et l'autre moitié le vendredi qui suivra. Puisque je vais stopper les ouvertures de cartes les mercredis. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça fait quand même que je fais des ouvertures les lundis, mercredis, vendredis. Et souvent je fais pas des petites ouvertures, donc ça fait qu'au final ça coûte un peu quand même à la longue. Donc ça va me permettre de ralentir un petit peu. Continue à être actif et il y a des trucs qui se mettront à la place, voilà, je vais pas vous laisser sans rien, il y a des trucs qui se mettront à la place le mercredi c'est sûr, et peut-être une vidéo le samedi et une vidéo le dimanche, je sais pas encore exactement, mais enfin bon, voilà, de toute façon je ferai une petite vidéo information, les trucs comme ça à la chaîne pour vous expliquer comment ça va se goupiller tout ça.
Mais du coup, voilà, on va ralentir un petit peu les ouvertures, mais ça va rester le thème principal de la chaîne de toute façon. Eh bien écoutez, je vous remercie. Pensez à lâcher un like, c'est très très important. Je sais que des fois vous y pensez pas. Vous y pensez quand même la plupart du temps. Lâchez un like, s'il vous plaît. Ça me fait très plaisir. Et ça m'aide pour tout. Voilà, c'est une motivation en plus. Ça aide un petit peu pour le référencement de la chaîne. Ça ramène un petit peu du monde. Et puis, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Hein. Oh là là, bref. Je parle un peu trop. Like, partage, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis je vous dis à vendredi, non, à lundi, oh, je m'embrouille, pour l'ouverture de la demi-display épée bouclier. Allez, c'était Nex, ciao.